Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après la pause des fêtes de fin d'année, l'équipe de l'émission Débat Éducation renoue avec la série d'émissions. Nous portons à votre connaissance, tout en vous souhaitant nos meilleurs voeux, nous portons à votre connaissance que pour accompagner le plan national de développement PND, la grande partie de nos thèmes, les thématiques que nous allons aborder au cours de cette année 2020, eh bien, sera consacrée à l'enseignement technique, à l'entrepreneuriat, à l'insertion socio-professionnelle. Débat thématique, c'est dans un instant. Dans les sept cibles de l'objectif du développement durable 4 éducation, le quatrième dit ce qui suit. D'ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant de compétences professionnelles nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Cela suppose que le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion socio-professionnelle, eh bien, doit élargir nécessairement l'accès équitable aux filières porteuses, tout en garantissant la qualité de la formation pour les filles et les garçons. Quelle est la situation sur le terrain? Eh bien, nous sommes allés au collège d'enseignement technique de Pia dans la COSA et à l'Institut Pythagore de Sokodé, où nous avons découvert la réalité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Gros plan sur le collège d'enseignement technique de Pia et l'Institut Pythagore de Sokodé, c'est dans ce reportage. Le collège d'enseignement technique a été créé en 1975. Avec la réforme de l'enseignement de l'éducation. Sinon, avant cette période, c'était un centre artisanal qui avait été créé par la mission protestante suisse et c'était juste pour donner une formation professionnelle aux jeunes du milieu. Et il l'avait créé juste parce qu'il y avait déjà au plan artisanal des métiers, notamment la forge, et qui se faisait de manière artisanale, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça qui a donné l'occasion au pasteur Delors de créer un centre artisanal qui est devenu palais d'enseignement technique en 1975 avec la réforme de l'enseignement. Donc toutes les spécialités que nous avons aussi sont des spécialités du génie civil. Donc comme je le disais, il y a la maçonnerie, il y a la menuiserie, il y a la plomberie sanitaire, il y a l'électricité d'équipement à l'intérieur de laquelle on trouve l'électricité du bâtiment. Donc depuis 2011, on a créé les BT, BT génie civil et BT génie électrotechnique. L'Institut Polytechnique Pythagore, IPP Sokodé, est agréé par l'État. Et c'est le 23 juin 2010 que nous avons reçu l'agrément. Mais la rentrée effective a été faite en septembre 2010. À l'époque, nous avons eu 49 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 305 élèves. Nous avons pratiquement toutes les filières. En BT, nous avons le génie civil, l'électrotechnique, nous avons la comptabilité, le secrétariat. Et donc, dans les cycles longs, nous avons de secondes à terminale, les G1, G2 et G3. Et les secondes, F3, F4 également jusqu'en terminale. Et nous avons les CAP, maçonnerie, électricité et dessin bâtiment. Diversification des filières de formation, qualité de la formation, nous sommes
avec l'inspecteur Assimti, le chef d'inspection de l'enseignement technique, qui nous précise ici l'objectif visé par le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Les objectifs de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle sont arrimés au PND. L'enseignement technique a défini comme objectif opérationnel d'ailleurs de promouvoir l'auto-emploi, de faire en sorte que juste à la fin de la formation, que les bénéficiaires de cette formation, que les sortants puissent s'auto-employer. On n'est plus dans la logique de former des demandeurs d'emploi, mais des pourvoyeurs d'emploi, ceux-là qui peuvent s'installer pour leur propre compte et pourquoi pas recruter d'autres à leur service pour booster le développement au niveau national. Voilà donc en gros ce que poursuit l'enseignement technique. L'offre de formation est diversifiée. Et nous avons des formations courtes. Donc là, nous préparons les apprenants au CAP, nous les préparons au BT. Et nous avons des filières longues qui préparent au bac. Donc voilà, quand je reviens au niveau de la région centrale, nous disons que nous avons principalement deux grandes filières industrielles. C'est l'électrotechnique au niveau du cycle long et le génie civil. Là, le génie civil, c'est essentiellement ceux-là qui sont formés dans la filière F4, qui donc débouche, c'est cette filière-là qui débouche au bac. Dans les filières courtes, nous avons la maçonnerie, la grande filière, très sollicitée. L'électricité d'équipement, aussi sollicitée. Et autour de ces deux grandes filières industrielles gravitent les filières où la demande est un peu faible. Là, je parle de la chaudronnerie, je parle de la menuiserie bois. Aujourd'hui, nous parlons de menuiserie bois parce qu'il y a la menuiserie métallique. Donc ici, essentiellement, c'est la menuiserie bois. Nous avons la mécanique automobile. Nous avons la mécanique générale. Alors, ces filières sont très peu sollicité. Au niveau du cycle long, en dehors des filières F4 et F3 qui sont assez sollicitées, nous avons la filière F1, génie mécanique. Là aussi, les effectifs sont très faibles. Et la filière électronique F2, où aussi la sollicitation est faible. Donc, nous avons aussi des filières BT. Et au niveau du BT, essentiellement, nous avons le BT génie civil. Vous comprenez que le génie civil est tellement sollicité. Et le BT électrotechnique. Là aussi, les effectifs sont raisonnables. La demande est forte. Mais peut-être ce qu'il faut nuancer, c'est que c'est beaucoup de garçons et peu de filles. La demande en termes de genre et la discrimination est ressentie beaucoup parce que les filles sont très peu représentées dans ces filières-là. Alors, comme vous venez de suivre, monsieur l'inspecteur, former des jeunes pour s'auto-employer et s'insérer plus ou moins facilement sur le marché du travail, eh bien, suppose qu'on leur donne des cours d'entrepreneuriat. Est-ce que ces cours existent effectivement de façon formelle et évaluée dans les programmes d'enseignement technique? Nous revenons avec notre invité, l'inspecteur Assimti, le chef d'inspection de l'enseignement technique dans la région centrale. Les cours d'entrepreneuriat sont systématiques dans nos établissements. C'est vrai que dans certains établissements privés, les gens piétinent encore, mais nous sommes en train de les motiver à le faire. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de former sans donner à l'apprenant ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment il doit négocier son installation après sa formation. Donc ces cours sont systématiques.
et nous veillons à ce que cela se déroule normalement, tant au niveau des établissements publics qu'au niveau des établissements privés. Donc les programmes sont élaborés et sont disponibles au niveau des inspections et au niveau aussi des établissements. D'ailleurs même, c'est intégré aux évaluations. Intégré aux évaluations, toutes les fois que nous organisons les compositions régionales, il y a toujours des épreuves consacrées à l'entrepreneuriat. À Sokodé, l'Institut Pythagore nous a ouvert ses portes. La toute première formation que nous allons vous faire découvrir, c'est la maçonnerie. Nous avons surpris apprenants et leurs formateurs en plein exercice sur la pratique de la maçonnerie. En maçonnerie, on nous apprend comment faire l'implantation, comment faire la fondation et comment élever un bâtiment. Et selon moi, les difficultés liées à la maçonnerie que nous, les apprenants, on rencontre, c'est comment faire le devis, comment faire l'implantation et comment doser le ciment normalement comme il le faut. On nous dit, quand tu es à l'école et quand tu es en formation, il faut avoir un particulier pour mais connaître d'autres choses qu'on ne connaît pas à l'école. Donc c'est là qu'il y a un frère qui est en pratique et qui est un particulier et que j'ai la confiance, je l'ai chanté. À la fin, il me donne l'argent du savon pour que je puisse acheter le savon, laver les choses. Et c'est le week-end que cela se fait. Ce que j'apprends de plus, comment tenir les choses, la tuyelle et comment faire pour implanter un bâtiment. Si je prends côté théorie, nous les enseignons calcul professionnel qui est appelé CP. L'objectif de ce calcul, c'est pour leur permettre de bien faire leur devis. Si on leur demande de faire un devis, à base de ça, ils arrivent à mieux calculer et déterminer le nombre de parpaings et la quantité de ciment qu'il faut pour maintenant mettre ça, pour pouvoir réaliser ce qu'on leur demande. Ça, c'est du côté de CP, ça. Maintenant, si je prends du côté de la technologie, là-bas, ça leur permet de connaître s'il faut faire la fondation, l'implantation, comment faire, et comment doser au moment de faire les parpaings. Dosage qu'il faut. S'il faut le béton, comment faire? La quantité de sable qu'il faut? Quelle quantité de ciment qu'il faut? Ça dit, si je prends exemple d'un voyage d'un camion comme ça, il faut combien de paquets de ciment pour pouvoir malaxer? Donc, il faut que les apprenants puissent connaître ça. Et c'est à base de la technologie, on peut les faire voir ça. Donc, quand on prend un apprenant qui passe par un collège d'enseignement technique filière maçonnerie et quelqu'un qui a appris sur le tas chez un particulier qui n'est pas passé par l'école, où se trouve la différence? La différence se trouve surtout au niveau de calcul de spécialité. Celui qui a passé par, chez les particuliers, ceci là manque. Donc, comment faire son devis? La quantité de dosage, ça manque. Surtout du côté de CP. Si je vais prendre du côté de la technologie, eux autres, ils le savent déjà que ceci, le dosage, là, c'est comme ça, il faut faire. Surtout calcul de spécialité qui manque là-bas. C'est ça la différence. Pour la petite histoire, retenez simplement que les élèves qui entrent en maçonnerie ont deux options. La première, c'est qu'à la fin de la formation, vous pouvez obtenir le certificat d'aptitude professionnelle qu'on appelle CAP maçonnerie. Mais si vous voulez aller plus loin, vous vous inscrivez en génie civil. Ces élèves, nous avons cherché à savoir leur vraie motivation parce qu'on ne s'inscrit pas par hasard dans une filière. Alors, il y a des raisons fondamentales qui poussent généralement les apprenants à s'inscrire dans telle filière ou dans telle autre. Donc, après
le terrain. Et donc, après le chantier sur lequel nous sommes allés les voir en train de travailler, nous les avons retrouvés dans leur tenue cette fois-ci, dans leur tenue de cours théorique en classe, où certains ont livré les vraies raisons de leur intéressement à la maçonnerie et au génie civil. Ce qui m'a motivé, c'est que je suis restée avec un tante qui est formateur dans l'enseignement technique. Et les 8 week-ends, qui est formatrice alors, c'est ça? Qui est formatrice dans l'enseignement technique. Et chaque week-end, elle avait des chantiers. Elle a des chantiers, elle va les week-ends. Et à chaque fois que je parlais avec elle, elle disait pas que elle n'utilise pas l'argent qu'on la paye dans l'enseignement. C'est l'argent du chantier que l'autre elle utilise, que c'est rentable. Et j'ai des soeurs, des frères qui sont au village, ils sont allés au camp, ils sont revenus, ils sont restés au village, ils n'ont rien à faire. Et c'est pour cela que j'ai eu le bon de faire la technique. Donc moi je fais la troisième année génie civil. En fait moi ce qui m'a motivé, tout d'abord je n'ai pas commencé par le génie civil. J'ai d'abord fait le CAP. Et bon, comme ce n'est pas une question pour le CAP, donc quand on faisait le CAP, on a eu l'habitude d'aller sur les chantiers. Et sur ces chantiers, quand vous êtes en train de travailler, il y a une personne qui faisait trembler le chantier. Quand tout le monde est en mouvement, la présence d'une personne change catégoriquement le climat du chantier. Et c'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur. Et quand, vu sur ça, j'ai été tellement touché. Je me suis posé la question, est-ce que personnellement, je ne peux pas un jour être comme ce monsieur qui fait trembler ce chantier. Quand tu le vois même venir, c'est quelqu'un déjà, il a en lui l'élégance, il vient dans une atmosphère. Et quand tout le monde, tout là-haut c'était désordonné, quand il vient, chacun commence à se mettre dans l'ordre. Et ça dit, il y a quelque chose qui change immédiatement. Et ces gens-là sont, bon, quand tu les regardes, bon, on dit souvent que l'apparence trompe, mais quand tu les regardes, apparemment, c'est des gens, c'est comme ils sont à l'aise. C'est comme ils sont à l'aise. Et, toi, si tu veux. Oui, je veux bien aussi être à l'aise un jour. Je veux bien être à l'aise un jour. Eux, c'est des gens, disons, qui ne se dépendent pas trop d'autres. Donc tu vas voir que. Et ils ne prennent pas trop du temps sur les chantiers. Et selon les informations, c'est eux qui gagnent plus sur les travaux. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Et j'ai dit, le temps n'est pas à baisser les bras, il faut aussi aller loin pour un jour. Pourquoi ne même pas lui dépasser? Donc franchement, c'est ça qui m'a motivé à opter le génie civil. Je suis en troisième année BT génie civil. Ce qui m'a motivé, bien d'abord je remercie mes professeurs du CG qui nous ont tellement conseillé en classe de troisième. Donc, ils ont conseillé de faire quoi? Oui, ils nous ont conseillé. Regarde là. Ces professeurs nous ont conseillé, c'est-à-dire on nous a mis en deux groupes. Il a dit quoi? Vous qui savez que vous pouvez continuer en enseignement général, il est bon de continuer. Et ceux qui doutent d'eux, il est bon de prendre un autre chemin. C'est-à-dire on les a posé des questions à savoir, bon, ils peuvent nous orienter. Ils ont décidé de dire, ils nous ont donné des conseils à savoir, il y a des lycées techniques. Ils ont cité des filières techniques. C'est là moi j'ai choisi d'aller au CAP. J'ai au CAP maçonnerie. Après le CAP, bon, j'ai décidé de continuer en génie civil pour pouvoir obtenir aussi des diplômes. Parce que j'ai constaté que de nos jours, les diplômes augmentent. Et bon, chaque diplôme a sa valeur. Et avec ton diplôme, tu auras ta place. En génie civil, il y a des matières clés. Les matières qui leur permettent véritablement de réussir. Alors, quelles sont ces matières et quels sont les secrets pour réussir ces matières fondamentales? Eh bien, nous avons voulu chercher à savoir parce que en réalité, il n'y a pas de matière bête noire, mais les élèves qui sont relativement bons ont essayé de livrer leurs secrets pour que ceux qui sont relativement faibles comprennent que c'est possible, eux aussi, de s'élever à ce niveau. En génie civil, nous avons comme matière clé le projet et la RDM, le sera résidente des matériaux. Nous avons la technologie, le dessin et encore le dimensionnement. Alors, de toutes les matières que tu viens de citer, lesquelles t'accrochent le plus? Dessin, la matière préférée, la technologie et le projet. Ma matière préférée, c'est le dessin technique.
Tel nombre varie de combien à combien là? Deux fois, bon, parlons de 15 à 17 50. C'est qu'on avait un bon professeur en dessin technique à Pythagore. C'est pas fini là, nous, moi-même je me tiens beaucoup pour les exercices de maison. Moi j'aime complètement le projet d'exploitation parce que c'est une matière qui m'aide beaucoup à réaliser certains plans. Donc moi c'est que dans cette matière que je fais des recherches et je cherche à travailler avec certains amis qui sont dans d'autres établissements pour avoir plus de connaissances. Et bon, concrètement il n'y a pas de secret pour ça, donc on doit s'y mettre au travail, chercher plus pour gagner ce que nous voulons devenir. Je suis élève en BT3 génie civil. Moi, c'est la technologie. C'est en technologie que je suis très bon. Et pour dire en vérité, en technologie, je fais des recherches sur les internets, sur Facebook, je fais beaucoup de recherches. Et quand on finit le cours, je ne m'arrête pas au cours seulement. Je cherche beaucoup de documents. C'est pour ça que je suis très bon en technologie. Mes notes varient de 18-17. Spécialité génie civil. La matière enseignée, c'est le dessin technique. Alors, le dessin technique, puisque c'est un art où on rencontre partout, dans chaque métier. Quand je prends le cas d'un tailleur, il faut qu'il puisse couper à bon escient les mesures d'un client. Donc, c'est de la même façon. Pour construire une maison, il faut construire sur mesure. On ne doit pas faire erreur. Donc le dessin technique a besoin des mathématiques et le français. Parce qu'il faut comprendre le français. D'abord, il faut expliquer. Moi-même, en tant que professeur, puisque la technique a évolué, je vais à la recherche. Comme un élève a su le dire sur Internet. Puisque la technique évolue. Il faut que nous aussi nous évoluions par nos recherches. Alors, il faut expliquer. Donner beaucoup d'exercices, les corriger et réexpliquer si c'est possible. Quand je corrige, je rencontre des notes faibles. Alors, et j'ai su comprendre que c'est qu'ils ne reprennent pas directement à la maison. Parce qu'une leçon donnée a besoin d'être reprise directement. Ne laissez pas dormir les leçons. Bon, dans le dessin technique, c'est vaste. Puisque aujourd'hui, tout le monde est appelé à avoir un chez. Un chez, c'est il faut construire. On construit à partir des plans. Donc chaque candidat ou chaque apprenant qui s'y met peut trouver le marché de pouvoir faire les plans. Même faire la publicité, il en aura. Puisqu'il a, il a un besoin permanent. On a besoin de lui permanentement. Dès déjà la fin de son diplôme actuel, là, il peut en même temps être sur le marché de l'emploi. J'ai des élèves qui m'appellent d'ici par là que monsieur, vous avez bien fait pour nous. C'est maintenant comprendre la vérité, tout ce que vous nous dites antérieurement. Voilà. Même au Bénin, au Mali, au Niger, on nous appelle d'ici par là. Sur tout un autre angle, eh bien, nous avons creusé davantage en échangeant avec les apprenants à l'Institut Pythagore. Nous avons voulu savoir véritablement avec eh bien, les élèves apprenants et leurs professeurs si ils connaissent les valeurs que la République attend d'un citoyen, d'un apprenant qui est dans le système. Et comme ils sont en génie civil, ils sont en maçonnerie et autres, eh bien, nous avons voulu savoir s'ils connaissent les valeurs qu'ils doivent porter pour être des citoyens sur qui, eh bien, on peut compter et en qui on peut aussi faire confiance en leur confiant des marchés, en leur confiant, en tout cas, le travail qui relève de leur spécialité. Aujourd'hui, la République a besoin des apprenants, a besoin des citoyens qui sont porteurs des valeurs civiques, des valeurs citoyennes. Et cette question étant transversale, eh bien, elle se pose de façon sérieuse et nous avons le devoir, en tant qu'hommes de médias, de voir si les dispositions sont prises dans toutes les écoles du Togo d'ailleurs pour que les élèves eh bien, puissent apprendre à vivre ensemble, à respecter les valeurs nationales. En dehors des qualités techniques d'un électrotechnicien, il faut être tellement et tellement honnête envers ses clients. Parce qu'on remarque aujourd'hui, les gens trichent. Ils savent que le client ne connaît rien, il ne sait rien de la matière. Donc,
ils abusent de leur ignorance dans la matière et ils les trichent. Donc, c'est pas bon. L'élève en génie civil, il doit être conscient de son travail et il doit respecter les lois du travail. Parce qu'aujourd'hui, en génie civil, tu dois être conscient de ton travail. Parce que, maintenant, tu peux tuer une population. Il doit collaborer. Il doit collaborer avec les autres. Il doit être honnête. Si, par exemple, pour un travail donné, il doit dire la vérité, quoi. Ce qui ne peut pas marcher, il ne faut pas qu'il dise au maître d'ouvrage. Par exemple, dire que non, c'est la quantité de tel matériau qui doit suffire. Or que ça, ce qu'il a dit, ça dépasse dans l'intention de détourner. C'est un exemple que je donne, par exemple. Donc, il doit être honnête. Il doit collaborer avec les autres. Mais il doit aussi être rigoureux dans son travail. C'est-à-dire respecter les délais quand il s'agit de faire un chantier. Pour respecter les délais, il faut faire une planification des tâches. S'ils sont honnêtes dans les petites choses que leurs enseignants leur donnent à faire, ça va leur guider une fois dans la vie active d'être aussi honnêtes. Et ils vont aussi gagner la confiance des clients. Parce que aujourd'hui, beaucoup ne disent pas la vérité. En matière de quantité, vous allez voir qu'ils vont augmenter exagérément. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'auront pas confiance en eux. Et aussi, il peut y avoir aussi des désaccords entre eux. À l'école ici, ils doivent chercher des terrains d'entente pour le vivre ensemble. Là, une fois qu'ils sont dans la vie active, si ce genre de problème arrive, ils sauront comment s'en prendre pour les régler. Après les professeurs, nous avons invité au cours de ce débat à l'Institut Pythagore un responsable de l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Vous savez que le ministère du Développement à la base a eu l'ingénieuse idée, n'est-ce pas, d'implanter des représentations de l'Agence nationale de promotion de l'emploi pour être proche des jeunes qu'ils doivent accompagner. Eh bien, eux aussi se sont prononcés sur cette question fondamentale, cette question citoyenne, cette question clé qui préoccupe la République, qui préoccupe les autorités, les comportements civiques et citoyens dont on attend de chaque Togolais. Il se prononce et il nous dira rapidement, eh bien, l'accompagnement que l'ANPE apporte aux jeunes qui sont dans le système éducatif du manière générale et particulièrement ceux qui sont dans l'enseignement technique. On peut beau avoir de la compétence si on n'a pas une qualité individuelle et personnelle. Cette compétence est appelée, j'allais dire, à l'échec. Et pour être une personne digne, donc la compétence doit s'asseoir sur la qualité individuelle et personnelle et qu'on doit forcément obtenir à travers, n'est-ce pas, l'éducation familiale, mais aussi l'éducation dans la vie sociale. La noble mission, en fait, de nos responsables, notamment notre DG et puis aussi notre ministère de tutelle, qui, à travers nous, bien sûr, mettent en œuvre pratiquement les dispositifs à leur actif pour pouvoir donc être en lien avec le PMD, notamment renforcer les capacités des structures d'accompagnement dans la formation, renforcer également les acteurs intervenant également dans la formation, c'est-à-dire les formateurs eux-mêmes, mais aussi nous qui sommes aussi des conseillers en emploi pour pouvoir donc outiller les apprenants et les candidats aux emplois à pouvoir donc être à la hauteur de l'émission qui leur sera accordée pour pouvoir donc travailler en synergie pour pouvoir donc développer le pays. Alors, quelle est la différence entre un conseiller à l'emploi et un conseiller d'orientation? Nous avons presque les mêmes missions, mais sauf que nous allons au-delà donc de l'orientation, nous allons donc au développement des compétences. Il faut peut-être, au-delà de l'orientation, accompagner l'individu à pouvoir capitaliser les compétences et techniques aussi bien humaines pour pouvoir donc être à la hauteur de la mission. Tout à l'heure, nous avons vu qu'avec les étudiants, nous avons développé les qualités. Au-delà de la compétence, il faut aussi avoir de la qualité pour être une personne complète et être à la hauteur donc, de la mission. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre débat thématique qui a porté sur
la filière, d'abord l'objectif visé par l'enseignement technique, la filière maçonnerie qui conduit au CAP et la filière génie civil. Comme nous l'avons dit, dans le deuxième numéro de la semaine prochaine, eh bien, nous allons aborder d'autres filières de l'enseignement technique. Comme le recommande le gouvernement, eh bien, on forme aujourd'hui des jeunes qui doivent créer leur emploi et non chercher de l'emploi. Donc on forme les jeunes pour qu'ils soient créateurs d'emplois et non demandeurs d'emploi. Dodo, bonsoir. Bonsoir Marcel. Alors, en début d'émission, j'ai profité pour souhaiter, au nom de nous deux, les vœux les meilleurs à nos téléspectateurs qui sont très fidèles à cette émission. Et on les veut plus nombreux d'ailleurs et on leur souhaite vraiment la santé pour cette année 2020. Alors sur ce, je te laisse donc la place pour les deux dernières rubriques de l'émission Débat Éducation. Dans Actu Éducation, le Togo a été représenté à Djibouti au forum sur l'éducation inclusive. Les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur les questions de l'éducation équilibrée et inclusive qui tiennent compte des réalités de l'Afrique. Le Premier ministre Kwame Selom Klassou a partagé la stratégie du Togo avec les autres pays. Ces chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord pour une vision de l'approche pédagogique de leur système éducatif et ont tous signé la Charte universelle pour une éducation équilibrée et inclusive. Après sa prise de fonction, le ministre des Enseignements primaires et secondaires a entamé une tournée de prise de contact dans les établissements. Il s'est agi pour le ministre de toucher du doigt les réalités et d'échanger avec les acteurs et surtout de renforcer la collaboration avec eux. C'est la reprise des cours du deuxième trimestre dans les enseignements primaires et secondaires sur l'ensemble du territoire. L'occasion s'y prête et le nouveau ministre de tutelle va au contact des élèves et enseignants. Un déplacement pour constater le démarrage effectif des cours dans quelques écoles du Grand Lomé. Du CEG Agouenivé Centre à l'école évangélique d'Agouenivé et le lycée Agoué-Est, en passant par les complexes scolaires islamiques et malaïka, les échanges ont été cordiaux entre le corps enseignant et le ministre. Avec les responsables d'école, il a pu s'enquérir des conditions de travail des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. Cette tournée, normalement, s'est déroulée en 5 ans. Mais ce matin, nous sommes à Lomé dans certains établissements primaires et secondaires. J'ai pris fonction il n'y a pas longtemps. C'est normal. Quand vous venez dans un département, il faut connaître les départements pour mieux travailler. Donc j'ai décidé ce matin de visiter certains établissements, voir les enseignants, les inspecteurs, les élèves, les structures, afin de mieux cerner effectivement, mieux comprendre ce département. Donc c'est ça qui motive ce matin notre visite de différents établissements à Lomé. Il y a aussi les confessionnels que nous avons visités. Nous avons visité les préscolaires, primaires et secondaires. Nous avons visité les collèges et les lycées aussi. Et on a échangé aussi un peu avec les enseignants pour voir quelques difficultés qu'ils rencontrent. Au contact des élèves, le ministre Atiadé Diafo leur a prodigué d'utiles conseils pour la réussite dans les différentes matières et en fin d'année scolaire. Du 29 au 31 janvier, s'est ouvert à Lomé le Forum national sur l'apprentissage. Un forum qui a réuni l'ensemble des acteurs clés de l'apprentissage autour des thèmes pertinents. Suivez cet élément de l'ouverture de ce forum. Couture, plomberie, maçonnerie, électricité, bâtiment. Presque tous les secteurs de métier sont représentés à ce Forum national de l'apprentissage. Les jeunes auront donc la possibilité à ce forum de découvrir les métiers porteurs pour mieux s'orienter en apprentissage, un sous-secteur de formation dans lequel se retrouvent environ 60 000 jeunes. Il y a certains métiers qui sont beaucoup embrassés et qui sont aujourd'hui très saturés. Et on ne gagne pas. Et là, nous avions voulu proposer cette palette de métiers porteurs à ces jeunes, des jeunes sortis du système scolaire, les jeunes diplômés
hein, qui souhaitent se reconvertir dans d'autres métiers, qui sont dans l'impasse aujourd'hui, qui ne trouvent pas de débouchés en matière d'emploi. Et nous ne pouvons qu'être dans cette tâche exaltante de pouvoir accompagner les actions du gouvernement. Ce forum s'offre comme un cadre privilégié aux jeunes, surtout déscolarisés, de découvrir les opportunités d'apprentissage pour se frayer une voie entrepreneuriale. L'initiative, selon le ministre en charge de la formation et de l'insertion professionnelle, se rapporte aux objectifs fixés par le gouvernement, notamment favoriser l'auto-emploi des jeunes, arriver à la formation au profit de l'emploi et le renforcement des mécanismes d'inclusion pour des emplois décents. Aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme qui travaille, c'est le savoir-faire. Mais mieux, on se rend compte que plus on est diplômé, plus on apprend un métier manuel, on est beaucoup plus performant que celui qui ne sait ni lire ni écrire. Et l'autre aspect, c'est que nous souhaitons aborder une question qui est courante, c'est celle de faire des formations qualifiantes. Les formations qualifiantes permettent peut-être en 3 mois ou en 6 mois d'apprendre l'essentiel sur un métier. Et ça permet à celui qui a bénéficié de cette formation de chercher des financements. Et Dieu sait que l'État aujourd'hui accompagne les jeunes entrepreneurs en cela. Plusieurs initiatives sont prises et des mécanismes de modernisation de la formation professionnelle sont en cours. Reste la volonté des jeunes à s'orienter vers ce secteur créateur d'emplois et générateur de revenus. La paix et la non-violence en milieu scolaire, le ministère des enseignements primaires et secondaires s'y met. Les acteurs ont validé ce janvier une table de spécifications relatives aux valeurs de paix et de non-violence et de justice sociale. Depuis plusieurs années, le ministère des enseignements primaires et secondaires a entamé l'élaboration de nouveaux programmes et de nouveaux manuels pour le préscolaire et le primaire. Concernant la thématique non-violence dans les programmes et curricula, le ministère a reçu l'appui technique et financier de WANEP Togo pour la validation de la table de spécification contenant les valeurs de paix, de non-violence et de justice sociale. WANEP Togo lance aujourd'hui l'atelier national de validation de la table de spécification contenant les valeurs de paix, de non-violence et de justice sociale, tiré de notre guide d'éducation à la paix que nous avons élaboré, validé en 2012. L'idée, c'est d'avoir dans le système éducatif togolais des manuels qui comprennent déjà des valeurs de paix et qui pourront facilement être enseignés dans le système, histoire de faire des enfants vraiment des réels artisans de paix. L'atelier de validation a été présidé par la secrétaire générale du ministère des enseignements primaires et secondaires. C'est un tableau qui rassemble tous les niveaux de compétences relatifs à une compétence de base avec tous les objectifs relatifs à chaque niveau de compétence. C'est le contenu du programme présenté de façon détaillée, explicite, intelligible et facilement digeste pour que l'enseignant puisse l'exécuter sans difficulté. La table de spécification ainsi validée après 2 jours de travaux, les prochaines étapes consistent à former les enseignants et à produire des manuels comportant les valeurs de paix, de non-violence et de justice sociale. La scolarisation de la jeune fille préoccupe la Fondation Nana Ané. Un projet a été lancé dans ce sens et des accords ont été signés pour la mise en œuvre effective du projet. Suivez. Après le programme Excellence Junior qui rassemble aujourd'hui 158 boursiers, de la 6e au Master 2 et la récompense du savoir 2000 élèves, le roi des Minas, Sa Majesté Nana Ané Ohinika Kwame de So 15, à travers sa fondation, lance le projet Promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé dans les lacs. C'est un programme qui concerne exclusivement les jeunes filles déshéritées mais excellentes. Elles sont 50, dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Et ces jeunes filles sont accompagnées sur le plan scolaire, mais également sur le plan de développement personnel pour en faire des femmes accomplies, pour faire face aux diverses situations qui se présenteraient dans leur vie. On a fixé la moyenne à 15 sur 20 pour l'année. Toutes sont en classe de 6e. On les recrute, on les a sélectionnées en classe de 6e. On a jugé qu'il faut prendre celles qui sont dans les écoles primaires publiques, pas dans la ville d'Anéro,
ni dans ses environs immédiats, mais dans la préfecture, dans la profondeur de la préfecture des lacs. Nous remercions du fond du cœur Nana pour ce programme qui nous permettra d'aller loin dans notre vie. Cette signature marque officiellement le démarrage de ce troisième programme qui prend en compte la remise de kits scolaires, l'octroi d'une bourse d'études de 50 000 francs de deux tranches et une assistance médicale. Il est financé à 70% par l'Union européenne à travers l'agence délégataire de financement Procema. C'est un projet très important. Éduquer une jeune fille, c'est finalement donner la clé à l'épanouissement d'une nation. C'est comme ça que le Procema a financé ce projet. Et je pense que déjà, elles sont confiantes parce que les messages qui ont été donnés, des messages qui sont allés droit au cœur et qui certainement également seront accompagnés par les parents d'élèves de ces bénéficiaires. Un club de filles leaders sera mis en place et mènera des activités socio-éducatives. Le parrain de cette première promotion, Jonas Daou, directeur général Sodigaz, a promis soutenir les bénéficiaires, même après le bac, dans leurs études universitaires. Le préfet des lacs, Daté Bénissant, et le maire Lac 1, Alexis Akereburu, ont félicité le roi des Adigo et Alliés, Sa Majesté Nana Ané Ohinikokwam de Sou 15, pour ses multiples efforts en matière d'éducation dans les lacs et au Togo. Les structures de protection des enfants vulnérables du Togo se verront accompagnées dans les prochains mois. C'est un projet piloté par l'ONG Creusette Togo et qui a lancé ce projet il y a quelques semaines. L'objectif est d'appuyer ces structures à améliorer la prise en charge de ces enfants vulnérables dans les régions centrales, savanes et plateaux. La protection de l'enfant, l'une des préoccupations du gouvernement togolais, l'ONG Creusette Togo, au travers du projet d'accompagnement de structures de protection d'enfants vulnérables au Togo PASFED, pour appuyer d'autres structures de protection dans les régions centrales, savanes et plateaux. Ces structures, regroupant en somme 240 enfants, sont bénéficiaires pour améliorer les conditions d'accueil des enfants en situation difficile, accompagnement conformément aux droits des enfants et aux normes standards. L'idée est née à la suite de l'évaluation des centres d'accueil au Togo. Une des recommandations était que ces centres perfectibles soient accompagnés par les centres performants. C'est dans ce cadre que nous sommes creusés, c'est approcher donc de ces partenaires techniques et financiers et soumettre ce projet qui a connu un aboutissement. Nous attendons de ces centres qu'ils soient en mesure d'accompagner les enfants pour créer un véritable environnement protecteur dans une visée de durabilité avec l'intérêt supérieur de l'enfant qui serait la considération primordiale. Une démarche participative à travers un transfert de compétences donc, appui et renforcement vont permettre aux structures et aux autorités publiques de prendre en charge des actions de développement de façon autonome et pérenne. Et j'ai suivi l'évaluation qui a été faite en 2015 et avec le projet Creuser qui vient nous appuyer, qui nous a associés pour l'amélioration de notre centre. Nous sommes très contents et avec l'appui de l'engin, nous permettra aussi de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de ces enfants. Un matériel roulant par la même occasion a été remis aux structures cibles pour faciliter la mobilité et le contact objectif, travailler en toute sérénité au bénéfice des enfants en situation difficile qui sont aussi la relève de demain. Les enseignants de la région des Savanes ont renouvelé leurs connaissances en informatique il y a deux semaines. Une formation au cours de laquelle ils ont maîtrisé plusieurs applications. Ces enseignants, 121 au total, se mettent ici à la page en matière informatique. C'est une formation à l'échelle régionale qui prend en compte les enseignants des établissements techniques de la région des Savanes, notamment le collège technique de Gando, le lycée technique de Mango et le centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, CRETFP de Dapan. La formation porte essentiellement sur le Windows, le Word, le Excel, le PowerPoint, ensuite le Edge et le Outlook. Un enseignant qui connaît l'outil Word peut traduire ses cours en Word, c'est-à-dire saisir son cours en Word et le transposer sur le PowerPoint afin de pouvoir faire la projection pour les élèves. C'est captivant parce que
avec les chemins, quand on transpose un schéma sur le tableau, il y a des minuteurs qui permettent de désigner les parties les plus cachées du chemin. Et donc, la personne qui est derrière, qui ne peut pas voir ça, pourra voir les parties aussi détaillées qu'elles soient. C'est pour s'assurer du bon déroulement de cette formation que le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a effectué cette visite au CRETFP de Dafan. Je suis très surpris du fait que, malgré que les enseignants soient en congé, j'ai visité déjà le lycée technique de Sokodé. C'était le même engouement qu'ici et je suis vraiment satisfait. Cette satisfaction est à l'image de l'ambition que le ministre nourrit pour son département afin qu'il puisse répondre aux exigences du marché de l'emploi et aux défis des programmes et projets de développement du gouvernement. Tout le matériel didactique est basé sur les TIC. C'est des simulateurs qu'on utilise maintenant pour pouvoir faire les formations. Vous démontez une machine au niveau donc, de l'applicatif logiciel, vous démontez, vous remontez. Et c'est la machine d'ailleurs qui vous note pour dire bon, ben, vous avez bien fait ou pas. Et donc il faut que nos enseignants soient préparés à cela afin que la restitution à nos apprenants soit effective et de qualité. En pleine formation, ces enseignants entrevoient déjà les applications et les avantages qui y vont avec. Avec les supports durs, les blocs de cours, vous allez fouiller, mais avec l'Internet, je pense que c'est plus vite de préparer les cours. Et le fait de projeter des cours, c'est plus facile quand même, plus que le fait de l'éditer. Et par les simulations, par Internet, par les images, les apprenants comprennent quand même mieux, puisque la manière ancienne d'enseigner. Moi, je suis de l'agro. Ce sont des logiciels qui nous permettront, une fois qu'on entre une formule, de pouvoir déterminer la dose d'engrais, par exemple, à appliquer sur une parcelle de champ. Nous tenons sincèrement à remercier le chef de l'État pour ses efforts. Le ministre a expliqué aux enseignants les différentes démarches qu'il a entreprises pour leur permettre d'acquérir des ordinateurs à des coûts abordables afin qu'ils puissent mettre rapidement en application les connaissances acquises pour le bien des apprenants. L'ONG 1, 2, 3 Togo a organisé un dîner caritatif en décembre dernier pour collecter des fonds. Un dîner qui a permis aux enfants qu'elle prend en charge de se réjouir et aux partenaires d'apporter des dons pour accompagner ces enfants vulnérables. Dîner caritatif en l'honneur des enfants démunis du Togo. L'ONG 1, 2, 3 Togo veut mobiliser davantage de ressources financières pour soutenir la scolarisation des enfants et promouvoir leur bien-être social. Et ce dîner est une belle opportunité pour solliciter l'aide des donateurs. La soirée marque également les 10 ans d'engagement de cette ONG aux côtés des plus défavorisés. On s'occupe des enfants en difficulté. On aide les familles qui n'ont pas les moyens à scolariser leurs enfants. Et certains orphelins aussi avoir une vie normale. On est en train de construire actuellement un orphelinat. On a débuté les travaux en août dernier. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle on fait cette soirée aujourd'hui. C'est pour pouvoir récupérer un peu d'argent et poursuivre les travaux de l'orphelinat. Hortense est l'un de ces enfants qui a bénéficié d'un appui financier jusqu'à l'obtention de sa licence en sociologie. 1, 2, 3 Togo m'a beaucoup soutenu dans mes études en me payant les frais de scolarité, les kits scolaires et pendant les périodes de fête, ils ne m'oublient point, ils ont toujours eu à apporter ce qu'il faut pour que moi et ma famille puissions fêter tous bien. Ce dîner caritatif est donc une occasion pour ces enfants de témoigner de la générosité des responsables de cette organisation. Grâce à l'aide de 1, 2, 3 Togo, j'ai pu décider d'apprendre un métier et c'était la menuiserie. Actuellement, je vise un rêve qui est dans moi et je suis très content et je profite de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui nous aident. Je remercie 1, 2, 3 Togo pour avoir aidé moi et ma famille. 1, 2, 3 Togo compte désormais disposer de son propre orphelinat pour intégrer ses enfants vulnérables. Ceci en vue de mieux les éduquer, promouvoir leurs droits et favoriser leur plein épanouissement.
Et dans Agenda Éducation, notez que le document révisé du plan sectoriel de l'éducation est actuellement en relecture et sera finalisé en février 2020. Une fois la relecture terminée, le nouveau plan sectoriel de l'éducation 2020-2024 sera validé en avril 2020. De 2011 à 2019, le Togo a bénéficié de deux projets, PERI 1 et PERI 2. La prochaine requête du Togo pour le PERI 3 sera soumise au Partenariat mondial pour l'éducation en juillet 2020. Il faut également noter que la réforme des ENI est en phase finale. Bientôt suivra la formation des formateurs. Et une dernière information pour clore cette rubrique. Après 10 ans de mise en œuvre du Fonds de la société civile par les 38 coalitions nationales d'éducation, une réunion mondiale marquant la fin du programme d'exécution de ce fonds se tiendra à Dakar du 10 au 13 février prochain. La CNTEPT, Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, y prendra part. Fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous remercier de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Alors, Dodo, merci. Merci. Et on se dit au revoir et à la prochaine.